Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Maîtresse Alice. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire la dictée qui était donnée pour le concours de Miss France de cette année, donc en 2023. Alors je vous propose, comme pour le brevet, trois lectures. Donc une première lecture lente et bien articulée du texte, une deuxième lecture où c'est vraiment la dictée du texte avec la ponctuation, en marquant bien les liaisons. Et enfin, donc, il y aura une troisième lecture qu'on appelle donc la relecture sans ponctuation, mais toujours avec les liaisons. Alors c'est parti pour la première lecture du texte, donc soyez attentifs au temps employé et au sujet du texte. C'est parti. La reine des mots. Dans le cœur de la canopée se joue le destin étoilé de femmes incomparables, mais unies par le lien infrangible de la sororité. Sur les sentiers guyanais, entre dépaysement et exploration, seront au rendez-vous, bien loin des stéréotypes désuets, règles de bienséance, conseils avisés et ces quelques réjouissances linguistiques. Naviguer en tapouille ou déguster un blaf n'aura plus de secret pour nos calligraphes. Quand la splendeur physique se joint au mérite, avec force et détermination, c'est la nation tout entière qui attend impatiemment de voir enfin celle qui, couronnée de succès, aura atteint l'accomplissement personnel. Donc voilà, c'est fini pour la première lecture. Donc maintenant, on va passer à la deuxième lecture, c'est-à-dire la dictée du texte. Alors, le titre, La reine des mots. La reine des mots. Dans le cœur de la canopée, virgule. Dans le cœur de la canopée, virgule. Dans le cœur de la canopée, virgule, se joue le destin étoilé, se joue le destin étoilé de femmes incomparables, virgule, se joue le destin étoilé de femmes incomparables, virgule. Mais unis par le lien infrangible, mais unis par le lien infrangible de la sororité, point. Mais unis par le lien infrangible de la sororité, point. À la ligne. Sur les sentiers guyanais, virgule, sur les sentiers guyanais, virgule, entre dépaysement et exploration, virgule, entre dépaysement et exploration, virgule, seront au rendez-vous, virgule, seront au rendez-vous, virgule, bien loin des stéréotypes désuets, virgule, bien loin des stéréotypes désuets, virgule, bien loin des stéréotypes désuets, virgule, règles de bienséance, virgule, règles de bienséance, virgule, règles de bienséance, virgule, conseils avisés, virgule, conseils avisés, virgule, et ces quelques réjouissances linguistiques, point virgule, et ces quelques
Réjouissance. Linguistique. Et ces quelques réjouissances linguistiques, point virgule, naviguer en tapouille, ou déguster un blaf, ou déguster un blaf, n'aura plus de secret. Naviguer en tapouille ou déguster un blaf n'aura plus de secret. N'aura plus de secret pour nos calligraphes point. Pour nos calligraphes point. N'aura plus de secret pour nos calligraphes point à la ligne. Quand la splendeur physique, se joint au mérite, virgule, quand la splendeur physique se joint au mérite, virgule, avec force et détermination, virgule, avec force et détermination, virgule, c'est la nation tout entière, c'est la nation tout entière. C'est la nation tout entière qui attend impatiemment de voir enfin, qui attend impatiemment de voir enfin celle qui, virgule, de voir enfin celle qui, virgule, couronnée de succès, virgule, couronnée de succès, virgule, aura atteint l'accomplissement personnel, point. Aura atteint l'accomplissement personnel, point final. Ok, donc c'est parti maintenant pour la relecture du texte. Donc là, cette fois-ci, vous regardez bien que vous avez oublié rien, aucun mot qui a été oublié. Donc là, faites toujours attention aux liaisons pour avoir des indications. Donc c'est parti pour la relecture. La reine des mots. Dans le cœur de la canopée se joue le destin étoilé de femmes incomparables, mais unies par le lien infrangible de la sororité. Sur les sentiers guyanais, entre dépaysement et exploration, seront au rendez-vous, bien loin des stéréotypes désuets, règles de bienséance, conseils avisés et ces quelques réjouissances linguistiques. Naviguer en tapouille ou déguster un blaf n'aura plus de secret pour nos calligraphes. Quand la splendeur physique se joint au mérite, avec force et détermination, c'est la nation tout entière qui attend impatiemment de voir enfin celle qui, couronnée de succès, aura atteint l'accomplissement personnel. Et voilà, donc maintenant c'est à vous donc de faire votre relecture. Donc c'est la partie la plus importante de la dictée, hein.
qu'il ne faut surtout jamais négliger. Donc vous vérifiez les temps des verbes, on accorde bien le verbe avec le sujet, on cherche les adjectifs qualificatifs, on les accorde, et pour les nouveaux mots, quand il y en a, on cherche des mots de la même famille, c'est pour pouvoir nous aider. Donc une fois que vous avez fini ça, donc maintenant on va passer à la correction du texte. Alors, quel était-il ce texte? Donc la reine des mots, dans le cœur de la canopée, se joue le destin étoilé de femmes incomparables, mais unies, donc IES, puisque ce sont les femmes, par le lien infrangible de la sororité. Sur les sentiers guyanais, entre dépaysement et exploration, seront au rendez-vous, bien loin des stéréotypes désuets, règles de bienséance, conseils avisés et ces quelques réjouissances linguistiques, naviguer en tabouille ou déguster un blaf n'aura plus de secret pour nos calligraphes. Quand la splendeur physique se joint au mérite avec force et détermination, c'est la nation tout entière qui attend impatiemment de voir enfin celle qui, couronnée de succès, aura atteint l'accomplissement personnel. Il y a quand même une dictée, je dirais quand même pas si facile que ça, hein, un petit peu longue, hein, comparée à une dictée de brevet un peu plus longue. Peut-être des mots que vous connaissiez pas, des mots nouveaux. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette dictée que vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!